Togu, oui, je sais, on se retrouve en pleine semaine, on est mardi, et en fait j'avais envie de faire une vidéo pour vous montrer ce que j'avais reçu. Mais on va commencer d'abord par donner les friandises au loulou et voir l'évolution de Mori en training, parce que il a fait des améliorations, et comme ils sont impatients, comme ça après ils me laisseront tranquille une fois qu'ils auront leur friandise. Donc je vous montre ça tout de suite. Ah si. Pat. Hey, tu le mues. Viens là. Non. Ah, ta place. Amaury, viens là. Amaury, approche. Fais le beau. Et maintenant, on est presque au parfait du coucher parce que j'ai juste à faire coucher, couche, couche, couche. Je mets ma main en arrière et il le fait. Et il le tient. Donc voilà pour Monsieur Momo. Tu as ta place? Maintenant c'est fini, t'en as déjà eu plein. Ta place. Allez, grouille. Allez, ta place. Kiki. Assis. Bon, je réduis le nombre de croquettes le soir, hein, parce que vu ce que je donne dans la journée. Assis. Fais la belle. En fait, il y en a qui donnent 2 repas par jour. Moi, ce que je fais, c'est que bah, c'est un peu réparti avec d'autres croquettes. Tu vas à ta place? Allez, Zou. Non, Mori, ta place aussi. Allez, Kitty. Lexi. Ah, tu fais des bêtises en ce moment. Assis. Assis. Pat, attends. Assis. Pat. Couche, 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 couche. Ton cul n'est pas couché, fille. À ta place? Tu vas à ta place? Et couche, couche, couche. Non, Lexi, couche. Couche. Tu captes rien de ce que je te raconte. À ta place! Lydie? T'es pas obligé de montrer tes fesses, toi. Ah si. Non. La belle. Ouais, c'est bien ma puce. Ah si. Non, attends. Pat. Kitty, va à ta place. Lady, viens. Parle. Ne bouge pas. Ah si. Couche. Couche. Ah si. Couche. 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 Si tu le sais, couche, mais sur du tissu. Ah si. Elle s'excite. Ah, c'est quand il y a la caméra, en plus, elle excite. Surtout que t'avais un petit bouton. Je dis donc que voilà. Donc sinon, à part ça, j'ai commencé à faire la déco d'automne parce que je peux plus faire vidéo tant que j'aurai pas fait ma déco d'automne, mais j'attends encore mes réceptions. Donc j'ai reçu la dernière fois les lettres, je vous ai montré hier en accéléré, je devais faire une intro, une outro, mais en fait j'ai eu la flemme. Donc en fait, hier j'ai fait ces petites lettres comme ça, donc en déco patch. Oui Lexi, pousse-toi. Lexi, ça se mange pas. Donc le A comme ça, le M comme ça, et le Y comme ça. Donc si vous avez bien suivi la chaîne, en fait, c'est assorti en version impair. Du chiot, du chaton et du hibou que j'avais fait en déco patch aussi. Donc voilà, je vais commencer petit à petit à changer la déco pour mettre en automne, parce que j'aime bien montrer que j'évolue aussi suivant les saisons. Sinon hier je vous avais pas montré, parce que pareil bah, j'ai eu la flemme, je me suis pas posée. J'ai reçu mon nouveau liquid lipstick, donc mon rouge à lèvres liquide de chez Wish, donc c'est le Magical Halo, donc normalement longue tenue, fini mat. Et j'ai pris la teinte numéro 12, donc c'est un espèce de rouge boisé, je sais pas comment on peut appeler ça. Non, mais c'est fini, Frantis. Donc on va le tester tout de suite, voir ce que ça donne. Il ou mon miroir. Je reviens, j'ai oublié mon miroir. Hey, mais parce que j'ai aucun moyen de me voir ça. Et dur. Donc on voit, ça fait une espèce de... Je sais pas.
De prune, voilà, c'est ça la couleur que je cherchais, c'était prune. Donc l'embout est différent, ça fait peut-être moins ergonomique, on va essayer. Temperature is running high, I didn't see it coming. Tell me what have you done to me? Tell me what have you done. Donc voilà pour le rendu. Donc l'embout n'est pas forcément le plus ergonomique pour appliquer sur les lèvres pour bien faire les coins et tout. Mais pour quelqu'un qui est plutôt débutant, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc ce soir on va tester la tenue et je reviendrai vers vous pour vous dire si ça a bien tenu ou pas. En tout cas ça fait une jolie petite couleur prune pour l'automne qui est à venir. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, il faut bien faire attention quand vous appliquez de ne pas en mettre trop directement sur l'éponge, de bien l'essuyer parce que sinon ça fait des démarcations de plus foncé et plus clair. Ce qui est pas très joli. Je vais refaire une retouche parce que je vois que ma lèvre est pas parfaite. Voilà, ça va mieux. En tout cas, ça fait un espèce de dégradé. Et il y a une petite odeur qui n'est pas désagréable à l'intérieur. Ça fait pas une odeur chimique, ça fait odeur de parfum, je sais pas quoi. Donc si vous bougez, c'est Lady qui met sa patte en jouant avec Amaury. Lady, pousse ta patte. Donc voilà pour le liquid lipstick que j'ai reçu. Donc il m'a coûté 1,80€, comme quelque chose comme ça, avec les codes de réduction que j'ai en ce moment. Sinon, je sais pas si vous avez entendu parler des Orbeez. Donc voilà, j'ai reçu un paquet de Orbeez. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe, c'est un morceau qui fuit. Donc ce sont des petites boules comme ça, donc on va essayer juste après d'accélérer, voir ce que ça donne. Donc à un moment vous les mouillez et ça va faire des billes pleines d'eau, toutes gonflées. Normalement là, elles sont toutes rikiki. Donc on va essayer de faire ça parce que je voudrais une pareil pour ma déco. Sinon réception d'aujourd'hui, j'ai reçu mes deux colorations, donc je vais faire ça ce week-end pour être prête pour... c'est un petit peu coulé en dessous, c'est pas grave. Pour être prête pour Animal Expo, ça fait un moment que j'ai parfumé racines, comme vous disiez, c'est plus des racines, c'est carrément une autoroute. Et mon autre réception que je suis super contente d'avoir, c'est le petit serre-tête comme ça en forme d'oreille de chat. Là, franchement, le look que j'ai là tout de suite, je suis trop fan. Donc c'est beaucoup plus sympa que ceux que j'avais acheté à la Japan parce qu'on a l'impression que c'est vraiment juste cette partie-là qui est posée sur la tête, on voit pas l'autre reste du serre-tête avec mes cheveux. Donc ouais, en plus je me suis recoupée, Lady, je me suis recoupée les cheveux, donc ça rend plutôt sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Donc voilà pour mes petites réceptions du jour, donc là les loulous sont carrément en train de me fixer, de me regarder. On va essayer de voir si je peux vous montrer comment ils font. Attention, Inception. Voilà mon petit public, je pense que là vous devriez. Voilà, ils sont tous en train de me regarder, de me fixer, de se demander qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est utile quand je suis à la caméra, c'est que j'ai des trucs pour eux. Donc voilà pour ça. Donc là je vais lancer les petits Orbeez pour voir ce que ça donne dans mon grand vase en tube. On va voir ce que ça donne, 10 000 Orbeez.